Salut tout le monde, c'est MacLeon 85. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus sur Pokémon 80. Pokémon version platine, Pokémon 85. Mais oh là là. Voilà, donc sur Pokémon version platine, on s'est retrouvé donc aujourd'hui devant cette chère arène du New Police que nous allons faire aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui la chef, mais bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, donc il y a eu quelques petits montées de niveau. Un niveau pour Retourvol, un niveau pour Luxio et Ponyta, que nous a commencé à expliquer dans le dernier épisode. Donc, comme j'ai dit, on va partir pour l'arène d'Uniopolis. On se dépêche, on ne perd pas de temps. 19h23, ok. Alors, pourquoi je suis ici? Parce que je sais qu'il y en a une qui donne des baies. Puis un gros losène, je le récupérerai. Ça peut servir. Tellement la classe. C'est une vieille dame. D'accord, je me suis trompé d'appartement. C'était celui à côté de l'arène. Pas grave. Allez, on y retourne. Voilà, voilà. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Ah là là. C'est idéal, mais je proteste, elle est aussi idéale. D'accord, ok, j'en ai marre. Ça va pas aussi s'occuper. Ok, je n'ai marre. Ah non, celle là-bas. Il me donne quelque chose. Ah, il donne quelque chose. Oh non, cette personne n'a pas escalier. C'est plus aussi comme ça, sans escalier. C'est une blague, j'espère. Punaise, mais je suis monté pour rien. Non, mais là, j'en ai marre. Là, j'en ai marre. Je fais des conneries. Allez, boost. On est marre, on se dépêche. Hop là, l'arène. On n'a pas que ça à faire. Allez. Hello. Salut toi, comment ça va, futur maître? Laisse-moi te dire que cette arène, c'est pas de la table. Pourquoi? Je t'explique d'abord, elle est plongée dans le noir. Sauf que vous allez voir, si j'ai... Normalement, sur l'émulateur, c'est pas tout à fait le cas. J'ai une lampe torche pour toi, sache que les ressources intérieures ont chacune une et aussi. Si vous êtes en croise une ou l'inverse, le combat commence. Autre détail qui a son importance. D'abord, trouve la dalle bleue et mémorise le symbole gravé dessus. Ensuite, cherche la porte rouge arborant le même symbole. Donc voilà, donc là en fait, vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi parce que l'émulateur ne respecte pas du tout le noir. Voilà. Donc, d'un côté, c'est cool parce que voilà, je vois le pansine, tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis que je vais pouvoir faire les combats. Alors. Salut. Oh, tu as eu peur. Ah bah non, j'ai pas eu peur du tout. Alors, vous voyez, ce sont des toutes petites salles, mais que les Pokémon de type spectre à l'intérieur. Pas très HL. Pourquoi je dis Skarmash? Oh la blague. Bien sûr, se partage les dégâts, l'autre est... Et d'accord. Elle a récupéré des HP, contrairement à moi. Très bien, bon Bekarma, je t'expire... J'ai oublié l'évitation. Je tente Belly. Ah mais non, ça marchera pas. Eh bébé. C'est une blague sérieuse, mais normalement lui aussi perd des dégâts. On voit même qu'il se prend des dégâts. Ouais, il y a un bug. Que vous meurt. Pourquoi les chercheurs ne marchent pas dans les salles? Level 20. Level 20.
20 level. Pardon. Alors, donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on se trompe de salle. Alors, ça va être Luxio que je vais XP. Ah non. Ah non. Ah ben je m'excuse, je me suis gouré. Je crois, mais non, normalement, non. Ah si, je me suis gouré. Eh ben merde. Normalement, il y a une salle où il y a... Où il y a des... Oh punaise. Où il y a un... Où il y a des dresseurs dedans. Ah ben je me gourre complètement alors. Je me gourre avec Perle. Et voilà, la puissance... Exemplaire. Ça c'est l'exemple, ça c'est ça, ça fait mal. Oh parfait, le beau drive. Le beau drive. Donc là vous voyez, là vous avez le choix de l'attaque. Mais je crois que j'aurais mieux fait. Oh parfait. Parfait. Ah oui, boum final. Alors ça c'est la technique que je déteste. C'est la technique qui fait super mal. Elle fait bien, enfin elle fait super mal, elle est chiante en fait. Je l'attends. Eh ben non, c'est en version perle qu'il y a ça, qu'il y a un autre dresseur. D'ailleurs ça change. Voilà, la bonne salle. Attendez, je vais tenter de les esquiver, c'est quoi le... Oh ben il y a du monde. Bon ben, on va tous les faire. Hello. Petit fantôme. Oh là là là, c'est du bas level, c'est du bas level. Oh, mais ça veut dire que j'ai bien monté moi. Attends, j'avais souvenir qu'ils étaient niveau 30 les Pokémon. Oh ben, ouais, sérieusement, je me plains pas. Hein. Oh non, non. C'est puissant, faudrait qu'il up. Comme ça, je pourrais hausser les autres. Et ben... Pour un élève, je trouve que tu as très mal étudié. Très mal étudié. L'étoile. Je la tente. Ah, bah oui. Donc, je me suis gouré. Je m'excuse, hein. Oublie bien le truc que j'ai dit. Je confonds avec Perle en fait encore. C'est complètement... Oh, ok, donc là c'est encore l'étoile. Ok. Ça part de quoi... Enfin, d'un côté c'est cool, au moins on sait où ils sont précisément. Et bon voilà, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, ce bug. Parce que là ça respecte pas du tout le... Le jeu, hein, il dit qu'il doit faire tout noir, mais... Il fait pas tout noir. Ah, putain, boom final. Ça fait mal, hein, sérieusement. Je pense... Oh non, je vais souffrir. Faisons bien tous les combats. Non. Ah, bah si, ce que j'ai fait avant. D'accord, je m'étais... Cela suffit pour te tuer. Hop là, moi je prends cher aussi. Ça, il est content, hein, il est content. Moi je suis pas content. Parfait, niveau 27. Oh bah c'est parfait. 2 pour le prix d'un. Je continue, hein. Excusez-moi. Alors c'est parti, top dresseur Spectrum. Spectrum. Oui, putain, c'est chaud ça, Luxio. Merci. Heureusement que mon Luxio est rapide comme l'éclair. Mouah, enfin, je suis trop drôle. Non, je suis pas drôle. C'est très bien que je vais gagner. Allez, s'il vous plaît.
Nous n'avons point que cela à faire. Et toi, les mignons, vous allez vous calmer tout de suite. Psy. Yeah, man. Ah non, pas yeah, man. C'est que ce petit bâtard m'a tué. Mais c'est qui m'a tué? Un placard match, tu feras l'affaire. Oui, tu as bientôt moyen, le problème c'est que t'es plus rapide que lui. Par contre, niveau... Ah oui, c'est vrai, les top dressers sont toujours une large longueur d'avance. Bon, souvenez-vous-en parce que... Voilà. Ils ont toujours un niveau supérieur. Ouh, et en plus, par contre, ça donne pas mal. Est-ce que je continue dans le cas? Putain, voilà, quand notre top dresser, ça va être Boscara qui va terminer ceci. J'arrive pas à le mettre en premier. Luxio commencera le combat, je gère les guerriers avant. Hop hop hop. Je vérifie avant qu'il y ait personne. Salut. Vous avez vu les faisceaux de lumière, ils sont vraiment mal faits sur l'émulateur. Alors que sur DS c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est pas le vrai. Hein. Faut pas croire que ça ressemble à ça. Ça marche très bien, il fait vraiment nuit, vous voyez rien du tout. Je vais découvrir par vous-même la scène. En fait, nous on a un genre de top dresser quoi. Parce que voilà, on a toujours de l'avance sur les autres, on est plus à chaîne que. Normalement. Normalement. Oh là là, il gagne rien mon petit. Oh non, il a quand même pas que des Fantominus. Oh non, il va pas déconner. Là là. Si ça monte de niveau, je veux bien. Ah non, je veux pas. Ça, je veux pas, par contre. Ça, non, 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 non. Je t'aime, Boscar. Ah, ben non. Il y a même un Pokémon encore plus que ça, qui donne beaucoup plus. Oh parfait, la confusion qui s'enlève au bout. Et par contre... Alors là, je le sens bien la championne sérieusement. Si Boscar arrive à faire ça... Le niveau 22. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, je sais pas... Ma session XP Ponyta sera beaucoup plus courte que prévu. Hein. C'est cool, c'est cool. Oh merde. Oh merde. Punaise, je dois faire tout le chemin retour pour Bombay. Non, je mettais. Faites le chemin retour, il était rapide. Allez, en longueur, nos Pokémon. Oh, voilà, c'est ça que je voulais faire, en fait. Entre les deux épisodes, je voulais sauvegarder. Bah, je vais le faire avec vous. Hein, voilà, j'ai fait tous les combats. Vous voyez, des combats rapides, si vous savez bien, les attaques de type ténèbres. C'est pour ça qu'il faut avoir plein de sortes de Pokémon, enfin, avec plein de types. C'est pour ça que je savais pas au départ si je prenais un rouge bouton ou pas. Parce que voilà, j'avais déjà un type plante, il n'y avait pas trop d'utilité d'en avoir un deuxième. Mais bon, après voilà, après c'est juste que c'est mon équipe type, enfin équipe type voilà, avec le Pokémon, avec le starter. La descente, ça bug. Voilà, le starter après c'est comme ça, moi j'ai choisi Tortipousse parce que voilà, c'était mon tout premier Pokémon. Donc je l'ai choisi comme ça. Alors, retrouvons la plaque bleue, j'ai pas envie de me gourer. Très bien, les deux cercles. Enfin, un cercle plus. Et oh. Et. Merci. Et. J'ai bon souvenir. Non, non, ne me fais pas ça, toi, par contre. Ne me fais pas ça. On a intérêt à bouger. Putain, c'est une blague. La meuf, elle me regarde, je suis sûr qu'elle va bouger là. Bon, elle bouge, mais dans le mauvais sens. Bon, ça me va, ça me va, ça me va. Putain, la blague, la meuf, quoi, elle me bloque. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Moi, je suis chaud, pas de tête. Alors, c'est parti, mon kiki. Hop là, Luxio, comme j'ai dit devant. Il va bientôt évoluer en plus. Oh, oh, enfin, te voilà, darling. Depuis mon arrivée dans ce country, j'essaie de progresser chaque jour. Ils font concours dans cette ville.
Je me dis marvelous, je vais gagner. C'est pourquoi je suis cet habit, c'est paillettes show business. Sinon j'étudie Pokémon très dur, je veux aussi devenir champion d'arène. Et on dirait que tu veux me défier, mais je vais remporter la victory. C'est le travail de champion d'arène, isn't it? Si c'est vrai, c'est bien le travail de vaincre. Le problème c'est moi qui vais te vaincre. Alors, ramène tes Pokémon. Parfait, ça complète un peu mon Pokédex, comme ça notre cher professeur Sorbier sera content. Ah là là, j'ai bien fait d'augmenter, de monter mes Pokémon hein, à ce niveau-là. Le cher JVS, hein, ça change la vie. Non, non, ça je m'en souviens, c'est ce qui m'avait coûté la victoire, ça. Je l'avais pas eu à cause de ça. À cause de ça aussi, par contre. Bon, moi, ils l'ont utilisé. Normalement, ils en utilisent qu'une seule. Normalement, je dis ça parce que un jour j'avais dit ça, puis au final, je me suis rendu compte que non, c'était faux. Parfait, ça s'en fait en moi. Alors là, vous allez devoir m'expliquer quelque chose. Il y a 2 secondes, j'ai utilisé morsure. C'était pas un coup critique. Je lui ai enlevé plus de la moitié. Je refais la même chose. Je lui enlève rien du tout. C'est un type ténèbre. Ça, je m'en souviens. C'est pour ça que c'est pas marqué super efficace. Mais il va falloir quand même qu'on m'explique pourquoi ça m'a fait ça. Là, je n'ai rien compris. Oh punaise, pas magique. Je le déteste, ce Pokémon. Il est d'une résistance. C'est lui qui m'a... Je le déteste. Voilà, voilà. Vous comprenez pourquoi je l'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Top. Yes, ouais, vous avez vu la puissance de ce Pokémon, c'est impressionnant. Bon, le mien aussi, il est puissant. I hate you with the citrus. J'aime pas les citrons. J'ai envie de dire quelque chose, mais je dirai qu'après. Ah ben, je dis pas. Ça marche pas. Oh punaise, j'attends. Ah oui, attendez, c'est pas fini. Oh, Pascal, I love you. Oh my god. Oh, ça c'est bon, ça. Yes. Yes. Oh mon dieu, 520, ça veut dire 1000 points d'expérience. Allez, je me la tente. Allez, je suis un fou de la live. Je suis un fou. Que se passe-t-il? C'est déjà mon last Pokémon? Yes, of course. C'est moi qui ai dit ton of course cette fois-ci. Mais punaise, mais arrête avec ton haut de folie de merde! Ça sert à rien en plus! Oh merde, de la fatigue, ça sert, j'aurais pas dû le dire. Bouh, c'est nul. Allez, va te coucher! Et je sais même pas du coup que c'est même pas du super efficace. Voilà. Là. Ah non, ça fait mal ça. Oh, coup critique. Oh bah non, ça fait pas mal du tout. Goodbye. J'utilise même ta langue natale, ma petite. Qui met là. Good. Up. Non, pas d'up. C'est pas grave. T'as besoin de fantastique. Et voilà, c'est ça. Donne-moi ton nom. Je suis stop fight. Vraiment très très fort. Toi, tes Pokémon very eternal. Une puissance gigantique. Tu as bien mérité ce badge d'arène. Obtiens le badge fantôme de Chimera. Et voilà le badge. Bravo tout le monde. Quand t'es minute, tu peux also te servir de cette capsule technique. Je dis, il sera très utile à toi. CT65. Quelle est cette capsule technique? 65, il contient Griffon. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, merci beaucoup, ma petite dame. Et voilà le 3e badge obtenu aujourd'hui.
Eh ben, je suis très content. Je suis très 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 heureux. Ça, c'est fait. Et voilà. Et petite guérison s'impose. Petite sauvegarde s'impose aussi. Ah, je suis bien content là. On avance dans l'aventure. Un place sauvegarde au centre du centre Pokémon. Oh, c'était. Non. Non, non, j'ai rien. 12 heures de jeu, ouais, vous voyez, donc c'est ça pour ça. Voilà. J'ai bien joué aussi. Hein. 2 heures, je crois, à peu près. Ça fait beaucoup. Hein. Alors. Non, je veux pas. Eh ben, voyons voir ça. Il nous reste 10 minutes. Envie de m'en tenter un. Hein. Allez, faisons-nous plaisir. Venir à la salle de concours. Nous prenons les inscriptions sur ce concours. S'inscrire. La catégorie sur la catégorie normale. Je vais pas aller trop loin. Mince, j'ai pas regardé. Alors attendez, on va regarder leur technique. C'est parti. Pokémon. Résumé. Alors voilà, vous voyez, il y a de nouvelles choses, c'était ici et il y avait quitté tout au bout, à droite. Voilà, maintenant il y a ça. De toute façon, je lui ai rien fait manger, c'est pour ça, pas fait manger Puffin, donc c'est normal. Maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Donc, Lucio a plus des capacités de type sang-froid. Skarmash, robustesse. Roselia, c'est plus l'intelligence. Poscara, ah non, il participera pas parce qu'il a pas d'attaque... Il va le... Ok, étourvol type sang-froid et Ponyta de type beauté. Ok, et eh ben on va tout de suite partir à la beauté. Je sens, voilà, je sais, je suis un mec, mais voilà. Je pense que voilà, on va aller faire un petit peu beauté. Je crois que c'est la première fois que j'en fais aussi, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer. Ok, c'est parti. Quel Pokémon? Vous voulez choisir un Pokémon?